Aussi, il y a pas mal de sports mécaniques. On peut mentionner bien sûr la Formule 1, mais il se trouve que chez Red Bull, on est fou d'avion aussi, et qu'à Salzbourg, sur l'aéroport de Salzbourg, il y a un musée extraordinaire qui s'appelle le Hangar 7. Et dans le Hangar 7, qui appartient à Red Bull, il y a des avions phénoménaux qui ont ici, en Österreich, en Salzbourg, dans le Flying Bulls. Und so immer, wir wollen jetzt SMS bekommen. Viele Nationen sind ja hier vertreten. Auch Österreich und auch das Vereinigte Königreich. Das sind die Gäste hier. Herzlich willkommen aus den Ländern. Hier, wenn ihr hier seid, hier und hier. Und jetzt hier uns die Jagd der Geistigkeit.
1937, il a dessiné un avion qui était quasiment supersonique, car les plus gros problèmes qu'a connu le P-38 au cours de sa longue carrière, c'est lorsqu'en piqué, lorsqu'en combat, les pilotes ont jeté cet avion en piqué, remorqué par les deux 12 cylindres en V-Allison de 1400 chevaux quand il était équipé. Et on arrivait au premier, c'est le premier avion qui écoute les phénomènes de la compressibilité, c'est-à-dire les approches du mur du son. Cet avion a été dessiné, c'est un rêve. En plus, ceux qui volent actuellement dans le monde, je vous rassure tout de suite qu'il y en a 4 qui volent. Si vous voulez en acheter un, c'est facile. Vous préparez un chèque de l'ordre de 10 millions d'euros, à peu près, un peu plus de 12 millions de dollars. C'est à peu près ce que nous avons à l'aïdic survivant. Mais encore, il faudra investir au moins en 2 millions supplémentaires pour le remettre en état. C'est plus des jouets, c'est des œuvres d'art. Ce live fait donc partie de la collection des Flying Bulls basée à Salzbourg. Raymond Griffin, qui a la chance de le piloter, appartient à une minorité d'aviateurs. Ils sont beaucoup moins nombreux dans le monde, ceux qui volent sur l'aïe que ceux qui vont dans l'espace. Aujourd'hui, piloter ces avions, c'est faire partir un véritable aéroport. Et pourtant, c'est un avion déficient. C'est pas un avion difficile à piloter pendant la guerre, pour confier ça à des gamins qui sont là, et ça se passe évidemment. C'est un avion merveilleux. Mais on l'a pas toujours confié à un gamin de 44 ans, qui est un estuaire. Lightning a de toute façon écrit l'histoire. Il a été impliqué dans toutes les régions de la dernière guerre mondiale, en particulier dans le Pacifique. C'est des Lightning qui ont abattu le plus grand commandant des forces navales japonaises, l'amiral Yamamoto, lors d'une mission restée célèbre. Les deux as américains les plus titrés, avec plus de 40 victoires, Richard Bond et Maka, volaient sur Lightning. Cet avion est un avion incontournable. En plus, il est beau. Vous avez entendu le son de ces deux moteurs Allison. C'est un chef-d'œuvre qui vole. C'est un avion bien construit quand on pense que ça a été dessiné en 1937. Si vous vous rappelez la gueule des voitures en 1937, quand on voyait un Lightning à l'époque, on avait l'impression de parler de science-fiction. De toute façon, même aujourd'hui, si vous arrivez avec un Lightning sur une aéronave, soyez assurés de votre succès. Les avions vite s'arrêteront. Les 747 et les Airbus 380 vous font des appels de phare pour vous laisser passer.